Yes, salut, bonsoir. On se retrouve ce soir pour un petit live aperçu de Grounded. L'écran veut bien se remettre. On est sur la version. Salut, Thorsten. On est sur la version donc Xbox. Il est aussi dispo sur PC et on va voir un petit peu ce que ça donne. Et, belle partie. La première fois que je lance, hein, je sais pas trop ce que ça va donner. Faut choisir un personnage. Zef, comment ça va? Alors donc, on va jouer. Attends, tiens. Oh, le jeu est tout en anglais parce que bah, pour l'instant ils l'ont pas encore traduit. Comme c'est un aperçu. Par contre, la souris va me saouler. Allez, remets-toi. Voilà. Donc du coup, je vais prendre celui-là. Ok, start. Un peu chaud, ça va, ça va. Ah bah c'est cool, c'est cool. Bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. Cette jeu en plus il est dispo uniquement depuis 19h. C'est vraiment tout récent. Donc on a. Moi j'ai regardé 2-3 gameplays mais comme ça de vidéo mais j'ai pas encore joué avec quoi. Ouais, ils disent eux-mêmes, hein, il peut avoir des bugs, il peut avoir des autres trucs, donc. On n'est pas à l'abri que le jeu crash quoi. Alors. All right, Pete. Remember your scout training. Step one, get your bearings. On est tout petit. C'est la particularité du jeu, c'est un jeu de survie, mais on a été rétréci. Et de ce que j'ai compris, il faut trouver donc la possibilité de redevenir grand. On verra ce que ça donne, je ne sais pas. Ah, il me demande de courir, donc ok, ça c'est base. Et Minimoys, exactement. Donc du coup, tu peux récupérer des ressources logiques comme ça, un jeu de survie. Ah, du coup, t'as une chose de bouffe et t'as une chose. Ouais, d'accord, donc faut que je fasse gaffe. Ça c'est un rocher. Jeter le rocher. Je peux frapper avec, mais je peux pas le jeter. Du coup, ah, je vais aller là. T'as une jauge de boue. Mushroom. Ah bah si je peux le jeter. Et du coup je peux manger. La jauge remonte. Peut-être pas tout bouffer mais. Attends. Du coup je cherchais comment tu fais pour basculer sur les trucs. Non. Ah! Un ennemi. Ennemi! Ah bah oui, parce que monde hostile, du coup, faudra se méfier aussi des insectes et des animaux qui pourront nous attaquer, quoi. Ah oui, j'avais pas vu, donc gâchette, tu peux. Tu donnes un coup, et quand t'appuies sur la touche au-dessus, tu la lances. Ok. Et du coup, elle sera à quoi l'autre gâchette? Ouais, bah j'ai pris de façon les champignons.
Là, les deux insectes se battent, donc on va les laisser se battre. La boucle, je prends. De toute façon, on va devoir surveiller les deux jauges du coup. Où il y a une barre qui est apparue. Ah, ça a l'air d'être un feu, ça, non? Frosting. Je vais essayer de voir si je peux pas l'installer après ailleurs. Pierre. Ouh, deux fourmis. Cassons-nous. J'ai pas d'armes, monsieur. Je vais pas faire long feu avec les rochers. Ah, il y a une sorte de campement, là. Ouais, le jeu, pour le moment, a l'air pas mal. Et c'est encore un... Comment expliquer? Ils appellent pas ça bêta, mais... Enfin, un peu le tout comme, quoi. C'est en early access, quoi. Analyse. Okay. Donc t'es limité au nombre de trucs que tu analyse avec. Excarge dans 10 minutes. Ok. Et de pas trop les emmerder, les fourmis. Tiens! Au revoir. Ouais, bah écoute, je sais même pas combien il est en... Je sais pas combien il est sur... sur PC. Ou même sur console, d'ailleurs, j'ai pas regardé le prix, parce que... Moi, je t'avoue que je l'ai avec le Game Pass, donc je me suis pas emmerdé. Mais je pourrais même pas dire combien il doit être. Il doit sûrement être une quarantaine d'euros... 30 euros. Bah écoute... Ah, ça peut toujours être sympa, hein. Ah, c'est quoi, ça? On dirait un truc. Pardon. On fait des. Enfin, pas des expériences, mais tu sais, des analyses dessus. Il a tombé, quoi. Tombé dedans. Mais comment pour sortir maintenant? On voit tout de suite que c'est encore bugué. Ah, il est aussi dispo sur Steam. Bah, tu vois, je savais même pas. Je ne savais même pas. Mystérieux Smash. Ça fait de l'électricité. Unlock the obstruct laser. Allez. Il m'attaque, le salaud. T'as vu deux tuyaux. Il y a deux tuyaux sur le côté. Mais cassez-vous. Par contre, c'est un peu la galère à... À viser les ennemis. Tiens, voilà. Ça fait un en moins. Du coup, c'est pas en poussant ça que ça va aller, non? Bah, du coup, c'est à l'intérieur, j'ai pas le choix, je suis obligé d'aller. Ah oui, là, il y a deux tuyaux, deux trous. Et je dois faire comment pour... Il
Donc du coup, il faudrait deux pièces comme ça, les foutre là, quoi. Ouais, ça marche à toutes. Trouver des pièces. Par contre, je ferais bien de bouffer, moi. Better than starving, I think. Nice and clean. Ah oui, du coup, là, ça va... Quand tu vois les bulles d'eau comme ça, ça te fait pas de... effet bizarre, j'ai l'impression. Il y a une map ou autre chose? Il y a une map. Ah, du coup, je peux faire une lance déjà. Ça a l'air déjà un peu mieux une lance. Il y a des grosses bêtes. Oh les grosses araignées. Ah maman. Ah je vais die, je vais die. Ah je vais mourir, allez. Ah vas-y, je suis bloqué. Ah bah voilà, bloqué contre la plante, plus c'est rien faire. Bon, on est mort. Magnifique. On va essayer déjà de récupérer le sac à dos. Je vais quand même prendre un rocher. Oh, mon sac, il est aussi loin? Ah non. Donc en fait en plus l'araignée a pris le sac dans sa toile quoi, littéralement. Ils disent qu'il faut unlock le laser obstrué. Je peux bien, mais il faut déjà trouver les pièces. Hein. Les pièces qui? Je peux monter et tout comme ça, tranquille.
Ça y a l'air d'encore avoir un... Ça a l'air d'être un laser, ça, non? Ah oui! Bon. Attends, du coup, je vais redescendre. Ok, tombé. Par contre, il y a des grosses araignées quand même, ça j'aime pas. Hein. Enfin, je suis pas arachnophobe non plus, mais. Il faut 3 springs, des ghost fuzz, des gnat fuzz, pardon, la fiber. Ah, le truc est là, mais... Du coup, il y en a un là. J'ai vu un autre rayon. Là-bas. Ah non, en fait, c'est celui-là, là-bas, qui... il fonctionne pas correctement. Ah, c'est quoi, ça? On dirait une boîte de fourmis. Ah non! On dirait les trucs de tic-tac. On va la casser. Qu'il y ait peut-être moyen de le casser avec quelque chose de plus résistant. Quelque chose qui fait kick d'autre, mais je sais pas pourquoi. Ah putain, la bouffe. Choke it down, Pete. It's worse than Dad's Brussels sprouts. Par contre, la lance est quand même déjà mieux. Hein. Le truc, il est là. Ah! Et ces saloperies qui font des trucs dessus, quoi. Et du coup, ça a l'air mieux.
par en bas. Pas tomber. Là, je vois rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut comme truc pour faire une torche? De la haut fiber et du dirty garage. En fait, faut crafter à mort en début, quoi. Pouvez pas faire. Craft. Ah, je peux faire d'autres trucs maintenant. Un marteau. La torche, il manque. À dire si grâce. C'est pas grâce. Pas grâce. Bah ça va être long hein. Ça me fait rire comment les trucs y tombent. Manque des springs maintenant. Il m'en manque un. Et re. Du coup, là, je peux me faire la torche. Ouais, j'avoue. J'avoue. Let there be light. Et en parlant de ça, la semaine prochaine, je suis de nouveau là. Je reviens sur FF. Par contre, j'ai perdu le truc où il était. Merde, il est où le tunnel? Faut que je monte, enfin, je vais jamais avoir fini en usage, je pense, mais
Je vais essayer de terminer du coup le truc bientôt quoi. Faut déséquiper, faut que je regarde. Là, je suis parti si loin. Pas bête. Ah, ça y est. C'est quoi? Ah, par contre, là, il faudra un marteau. Là, j'ai pas pour le moment. Par contre, je peux faire quoi d'autre? Ben, il est là le marteau. On doit encore farmer ça. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Compliqué quoi. Ouais, chez nous, ils sont occupés de entre guillemets refaire des restrictions. Donc, je pense que nous, on va bientôt être confinés, je pense. Ah, c'est une balle. Ah, par contre, il y a le cycle jour-nuit. Ça, ça pue. Ah oui, d'accord, j'ai loupé ce qui posait problème. À plan, bâche le passage. Investiguer plein ma oui, une laine tout. Ah bah tu m'étonnes. Par contre je comprends pas ici. Investiguer the machine. Ah bah. J'ai pas compris.
Ah, il faut appuyer sur l'autre bouton. Ça a pas marché. Ah, cassez quelque chose. Choke it down, Pete. It's worse than Dad's Brussels sprouts. Et par contre, faut que je prenne la torche parce que c'est pas grand chose. Hein. Donc, du coup, je vais fouiller autour en attendant que la nuit passe. J'ai vu qu'il y avait différents modes de trucs, donc ça, bon, faudra tester. T'as vu qu'il y a un mode créatif aussi? Et après, le problème, c'est que... Après, c'est toujours le problème avec ce genre de jeu. Hein. Généralement, ils arrivent en accès anticipé, mais... Faudra attendre un an ou deux avant que le jeu soit complet et pouvoir réellement pouvoir bien jouer avec quoi. On n'a pas vu la forme. D'accord, j'ai tout. Ouais, après c'est Obsidian, donc maintenant, bah, Obsidian a bossé sur pas mal de trucs en même temps, donc ils ont bossé sur... comment il s'appelle encore ce jeu qui est pas sorti, il est sorti il y a pas longtemps. The Outer Worlds. Donc du coup ils ont bossé là-dessus, j'ai vu qu'il y a le DLC qui allait sortir normalement dans quelques semaines, voire quelques mois. Et après t'as, ils ont annoncé leur nouveau jeu qui bossait dessus aussi, donc... à voir, comme ils bossent sur au moins deux jeux en même temps, compliqué quoi. Je vais pouvoir me faire un arc, mais je pourrais pas me faire deux flèches. Ouais, bah ils font du bon boulot, ça c'est clair. C'est clair. D'ailleurs, ça me fait penser que j'aurais continué The Outer Worlds aussi. Par contre, faut que je trouve de la bouffe.
Ouais. Et j'ai pas pensé à faire un feu de camp avec ce que j'avais déjà. Pas des recettes là-dedans. Il y a juste la gnade que je peux bouffer en fait. C'est bien fait, hein? Ah oui, du coup, ça remontait fou ma vie, quoi. Improbable. Pas un truc. Et la lampe. Alors du coup... ouais, donc je vais essayer de trouver des trucs pour crafter, hein. Ouais, sûrement, mais j'ai pas... je sais plus où c'est ça du coup. Ah pardon. Un fil station, ouais. Je vais essayer de voir si je peux pas récupérer de l'eau aussi. Du mauvais côté là.
Mais je sais pas si je peux faire une gourde. Ah oui, effectivement. Par contre, j'aurais besoin de grab hide et 20 machin. Ça, je peux en faire autant que je veux. Ça, y a pas de problème. Et par contre, le groupe hide, je sais pas c'est quoi. M'étonne. Un insecte, ouais, bah c'est clair, mais il faut les trouver du coup. Là, comme il fait noir, on voit pas grand chose. Après, vivement aussi qu'à la trad, hein, parce que mon anglais a ses limites, hein. Pas se mentir. Ah, il y a des champis. Je vais déjà cuire les champis. Les champis. Ah, du coup, je peux pas cuire ce que je veux. C'est dommage. Parce que les champignons cuits, ça aurait passé tranquille, hein. Après, c'est le genre de jeu que tu peux passer des heures dessus, hein, forcément. Jeu de survie. À chercher, à farfouiller, à construire des trucs. Là, il y a de l'eau. Sachez que c'est pas le meilleur truc, mais... J'ai quand même l'impression qu'ils se cachent, hein, les insectes, hein, pendant la nuit. Il y a Echo, je connais pas. Ouah, c'est quoi ce truc? Ouf. Oh là là, il m'a tellement démonté le gros. Ah oui, du coup, j'ai plus de lumière.
Ah, c'est chiant. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon, je me casse, hein. My mom always says I light up a room. Ouais, ça je connais de nom, mais jamais été intéressé. Je me demande pas si c'est pas ces petites bêtes là qui... Ah, j'ai trouvé le... Tombe pas trop sur des grosses bestioles, bah tu m'étonnes. Bah tout à l'heure je suis aussi tombé une année avec une araignée. Ça fait plaisir, hein, comme dire. Better than starving, I think. Ouais. Bah, tu vois, c'est tous des jeux moi que je connais pas beaucoup parce qu'après je suis pas très porté sur les jeux de survie déjà de base. Là, j'aime bien tester de temps en temps. Je pense qu'après je vais tester le mode, mode création pour voir ce que ça donne. Donc la nuit elle est longue, hein.
Magnifique. Il y a de la force, le gamin, en fait. La bonne blague. Ok, ça va les sales bêtes là. Par contre, ce qui est chiant, c'est que là, tu peux parer. Ah, oh, d'accord. Et du coup, ma vie, elle remonte tout doucement, quoi. J'ai bouffé plein de trucs pour rien du tout. De quoi faire une armure? J'ai pas du tout. Oui, mais je peux pas la faire. Pas pourquoi d'ailleurs. Ah. Con. On a effectivement débloqué des autres trucs. Tu vois vraiment que j'ai pas l'habitude, hein. C'est quoi ce que je veux faire? C'est que je vais sauvegarder ici. Et il va. Et on va faire un autre truc. On va faire le créatif. Hey, nice to meet you. The name's Ma- ouais, ça marche, bonne soirée et merci d'être passé. Bon courage pour toi demain. Merci bien. Those roots? Nah, can't be. This must be one of those. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a tout? Ah, il y a tellement de trucs à faire.
Mass Buddy, starting to think this might not be a prank. Still gonna be famous though. Gonna need an agent. Oui, tu peux faire aussi des armes de certaines trucs. Ah oui, il te demande quand même les matériaux, malgré que t'es en mode création, quoi. Pas grave, on va tester comme ça, hein. Ok, on n'a pas encore assez de trucs. Ah oui, un coup que t'as les ressources, elles disparaissent pas, j'ai l'impression. De récupérer ça, de mettre ça à un endroit bien particulier. En fin de compte, je peux avancer avec jusqu'au là-bas, du coup. Looks like that little red thing's itching for a fight. Ok, on va déposer ça là. Tac. Pas du tout. Et ça.
Ok, donc là, ça marche pas, faut vraiment faire ça ailleurs. Ok. Ok. Et on vole. Pas de problème. C'est quoi ça? C'est des armes, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Tropical Puncho. C'est de l'air. Bon. Là, tu sais pas récupérer pour l'instant.
Du coup, je peux pas l'équiper ça. Ça c'est bon. J'ai l'impression que tu puisses te récupérer pour le moment. Non, je sais pas la réparer. Faire ça. Tapin. Ça c'est quoi ça, ça? Va se paumer.
Ah, c'est la maison. Tellement loin. Oui, la mer. Bon bah ok. Bon, on va faire une petite pause tout de suite. Je vais changer de jeu vite fait et on se retrouve dans quelques instants.